Salut Sénade, juste pour vous parler d'une petite chose, les pieds sur le tableau de bord, c'est comme les moustiques, chaque été ça revient. Seulement souvenez-vous que sous vos pieds, il y a un airbag. Alors là du coup, attention, danger. Et je pense que vous n'aimeriez surtout pas vous retrouver comme Gwen Kelly, une jeune Britannique de 22 ans, blessée en 2006 lorsque ses genoux ont violemment heurté son visage après que son petit ami ait envoyé sa Jeep contre un mur. Le choc a déclenché l'airbag situé sous les pieds de la jeune femme, qui les avait posés évidemment sur le tableau de bord. Elle a été victime de lésions cérébrales mineures, mais son visage, quant à lui, a été si endommagé que les médecins ont dû lui retirer le front. Elle a donc vécu 2 ans sans front. On peut dire qu'esthétiquement, il y a quand même mieux, jusqu'à ce qu'elle subisse, quand même après 2 ans, une chirurgie plastique et maintenant elle a un front en céramique. Ce qui n'empêche pas, malgré tout, qu'elle ait des violents maux de tête, des vertiges et tout ce qui s'ensuit. Donc vous imaginez, c'est juste le top. Alors souvenez-vous juste de ceci, 300 km/h, c'est la vitesse à laquelle se déploie un airbag, qui est vos pieds dessus ou pas. Donc au moindre choc un petit peu violent, c'est ce que vous prendrez sous les pieds, sur la figure, et ça fait des dégâts. Si vous êtes adepte de cette pratique, arrêtez de le faire. Les pieds, c'est par terre et pas ailleurs. Alors prenez vraiment soin de vous, surtout pendant les vacances d'été, et on se retrouve pour une autre vidéo. Allez, ciao ciao !